Session de chat vidéo du maire en ce mois de mai qui vient de démarrer. Plein de questions sont déjà en attente, déjà celles pour lesquelles j'ai pas pu répondre la dernière fois, et puis d'autres nouvelles qui viennent d'arriver. Alors sans plus attendre, première question. Bonsoir Monsieur le maire, bonsoir à tous. La première question nous vient de Jacqueline. Je suis passée en mairie et j'ai vu qu'il y avait des travaux dans les étages. Que se passe-t-il ? À l'hôtel de ville, c'est ça ? Je sais pas. Oui. À l'hôtel de ville ? Ah oui, tout à fait. Excusez-moi, j'ai mal entendu la question. Écoutez, tout simplement, nous avons souhaité réintégrer en fait, le CCS, qui aujourd'hui est implanté boulevard du 11 novembre, de l'intégrer dans l'hôtel de ville, ce qui va nous permettre d'ailleurs une meilleure proximité des équipes, du fait qu'elles sont au sein du même bâtiment, et aussi de pouvoir libérer le bâtiment du 11 novembre, qui nous coûtait assez cher en investissement, plutôt de mise aux normes exactement, et en coût de fonctionnement. Donc voilà, on joint l'utile et l'agréable. Il est prévu donc que les travaux soient terminés fin mai et que le CCS emménage autour du 15 juin. La question suivante est posée par Lydie. C'est une question de la session précédente. Après le travail, j'aime bien me balader avec mon chien le long du canal. Malheureusement, il ressemble plus à une fosse septique qu'à un ouvrage d'eau agréable. Quelque chose de prévu ? Oui, vous savez qu'à cette époque, ça n'est pas complètement anormal que vous voyez beaucoup d'herbes, en fait, hein, puisqu'on est dans une période relativement chaude, hein, même si on n'est pas encore en plein été, mais il y a une prospérité, en fait, des herbes. Maintenant, on trouve aussi, par ailleurs, peut-être aussi d'autres détritus. Et c'est pour ça que nous faisons régulièrement du nettoyage. Donc ça, c'est l'entretien du canal qui est fait sur l'ensemble du linéaire, auquel d'ailleurs certains administrés peuvent participer, bien évidemment, mais nous essayons de le faire régulièrement. Maintenant, dans le canal comme ailleurs, comme je dis souvent, la meilleure façon d'avoir un canal propre, c'est de ne pas le salir, donc ne pas le jeter des détritus. Malheureusement, tout le monde n'entend pas cela. Donc effectivement, on fait des opérations de nettoyage assez régulièrement. Je pense qu'il en est prévu sans doute très prochainement à l'approche de la période estivale. La question suivante est posée par Kéké. Quand les poubelles vont être correctement ramassées rue Édouard Vaillant ? Elles sont correctement ramassées, les poubelles, hein, puisqu'elles sont ramassées sur la fréquence qui était définie. Le seul souci, c'est surtout que certains riverains ne rentrent pas les poubelles qu'ils devraient rentrer. Hein, c'est surtout ça. Donc je n'ai pas de connaissance particulière de mauvais ramassage. Alors ça peut être peut-être exceptionnel, mais en tout cas, la fréquence de ramassage est respectée. Maintenant, encore faut-il qu'effectivement les habitants de la rue veuillent bien rentrer soit leur conteneur, s'ils peuvent le rentrer, et aussi ne pas laisser leur poubelle le matin quand ils partent au travail, quel que soit d'ailleurs le jour de la semaine. C'est ainsi que les poubelles peuvent rester plusieurs jours sur le trottoir avant que le ramassage ait lieu. Une question de Vincent. Quand débutent les travaux de la seconde partie de la rue Louis Mallet ? Écoutez, je crois que c'est une question de jour. Alors, j'ai plus exactement le calendrier en tête, mais si ça n'a pas démarré aujourd'hui, je pense que ça devrait démarrer dans quelques jours. L'objectif étant toujours de terminer en fait d'ici la fin de cette année. Toujours une question liée aux travaux. Elle est posée par Jim. À quand la fin des travaux de l'îlot Victor Hugo ? Alors, les travaux de la place, pour en parler, sont terminés donc le 31 mai. Il restera simplement à caler l'éclairage public, hein, puisqu'on a un petit souci sur l'éclairage public, mais qui devrait être opérationnel mi-juin. Et en tout cas, on a prévu d'inaugurer donc cette place nouvellement refaite à fin juin. La question suivante, une question de Laurent, qui voudrait savoir si la ville de Bourges a engagé des actions pour lutter contre la pollution lumineuse. Oui, enfin bon, ce n'est pas des actions qui sont récentes. D'abord, on a fait à plusieurs reprises des diagnostics, je pense à quand j'étais maréchal aux travaux déjà à l'époque, où il y avait un diagnostic qui avait été fait
sur l'ensemble de la ville. Globalement, nous n'avons pas une ville qui est suréclairée d'une façon globale. Bon, il n'est pas moins vrai que peut-être sur certains secteurs, ça l'est trop. C'est pour ça que nous avons lancé depuis quelques années, et nous accélérons maintenant, le remplacement des candélabres, notamment des candélabres qui... Alors, il y en a deux types, hein, ceux qui consomment beaucoup, c'est-à-dire on les remplace par des candélabres susceptibles de recevoir des ampoules LED dans un objectif de réduction de coûts de fonctionnement et de consommation électrique. Et puis aussi, le deuxième volet, c'est remplacer les éclairages qu'on trouve, alors on trouve de moins en moins, mais il existe encore dans la ville. Donc c'est vrai qu'on trouve souvent dans les lotissements des boules là, qui font qu'on éclaire plus le ciel que le trottoir ou la rue. Donc voilà, c'est une opération d'investissement, sur une base de diagnostic qui montre que la ville est globalement n'est pas suréclairée comme on peut parfois l'imaginer. Une question d'Hugo. La piscine aqualudique, est-ce un rêve ou une réalité ? Bah, c'est une réalité. Hein, pour vous donner un peu le calendrier, on doit présenter donc, d'ici la fin de cette année un pré-programme qui va définir ce qu'on va mettre dans ce centre aqualudique, parce que c'est quand même un vrai sujet. C'est pour ça qu'on prend beaucoup de temps, parce que ce n'est pas quelque chose aussi simple, parce qu'on imagine qu'il faut mettre des bassins ceci, des bassins cela, pour les petits, pour les grands, pour l'apprentissage. Mais moi, j'ai eu l'occasion d'en visiter une quinzaine en France, hein, dans différentes régions d'ailleurs, et je me suis aperçu justement de l'importance de prendre le temps de la réflexion, de savoir ce que l'on met dans ce centre aqualudique. Alors il y a du courant, hein, qu'on retrouve dans toute piscine ludique, mais il y a aussi des choix qui sont des choix stratégiques et sur lesquels on ne doit pas se tromper, ni dans un sens en prévoyant trop grand, mais ni dans le sens en prévoyant trop petit. Hein, donc en tout cas, voilà, donc la programmation sera terminé d'ici la fin de cette année pour une réalisation dans les années qui vont suivre. Après, il faudra lancer les études, regarder les financements. Donc voilà. Donc, mais il faut du temps pour ce genre de projet, c'est clair. Alors, une question de Jeff Bond. Une question sur la nouvelle maison de la culture, sachant qu'il manque encore, je crois, à peu près 2 millions d'euros. Si d'ici la fin des travaux, vous ne trouvez pas de nouveaux mécènes, comment allez-vous gérer ce problème? Et surtout, si vous n'êtes plus à la tête de la mairie l'année prochaine, comment expliquer cette situation à l'équipe suivante? Écoutez, moi, je ne prévois pas des choses différentes en 2020, mais on va être prudent. Non, tout simplement, il faut être très clair, le plan de financement, quand il a été présenté la première fois, d'ailleurs, était sur la base, notamment, d'une ligne de mécénat de 2 millions d'euros, effectivement. Partant du principe que si ces 2 millions d'euros, on ne les obtenait pas, on était en capacité, malgré tout, la ville était en capacité de soutenir cet investissement. J'ouvre une parenthèse pour rappeler que les problématiques, je dirais, des collectivités aujourd'hui sont plus des problématiques de fonctionnement et non pas d'investissement. Il ne faut pas tout mélanger. Il n'est pas point moins vrai si vous avez étudié, et je ne doute pas une minute, le plan de financement avec une ligne uniquement à hauteur de 500 000 euros, l'engagement donc de l'entreprise Monin. Le reste à charge de la collectivité Ville de Bourges est inférieur à 30%. Pour vous dire que, à part le plan de renouvellement urbain, depuis 10 ans, il n'y a eu aucun investissement dont le reste à charge de la ville a été aussi faible. Il a été, je crois, de mémoire, de 83% pour le Palais des Sports et plus de 60 ou 70% pour le centre nautique Raymond Boisdet. Donc c'est ça qui est important. Alors je ne sais pas si j'arriverai effectivement à obtenir ces 2 millions d'euros. Bon, peut-être que ça sera 1 million, peut-être un 5, ou peut-être, je ne sais pas, j'en sais rien. En tout cas, sachez que j'y travaille beaucoup. Mais ce n'est pas ça qui va mettre en difficulté financière la ville de Bourges. Absolument pas. Ne mélangez pas le fonctionnement et l'investissement. Il ne s'agit pas non plus de trop investir. Aujourd'hui, dans nos prévisions budgétaires que l'on fait depuis 2015 sur 6 années glissantes, on est en capacité chaque année d'identifier quelle est
l'enveloppe maximum d'investissement de manière à poursuivre l'amélioration de la situation financière de la ville, à savoir le désendettement. Je rappelle que nous sommes désendettés en 3 ans de 18 millions d'euros et respecter les autres critères qui sont la solvabilité inférieure à 12 ans et puis le taux de marge brute supérieur à 10% des recettes de fonctionnement. Donc dès lors qu'on a défini ce plan de route, que ces objectifs, on les tient, nous connaissons chaque année quels sont les montants d'investissement à ne pas dépasser. Et là, typiquement, la Maison de la Culture intègre donc ces montants intègrent ces prévisions. Et même en étant sur des valeurs de mécénat à 500 000 euros, on sait sans difficulté soutenir cet investissement. La question suivante est posée par Mime. Où en est-on du chantier de la Maison de la Culture ? Décidément, c'est un vrai sujet, la Maison de la Culture. Bah, écoutez, que vous dire ? C'est là que nous sommes en train de terminer les élévations. Donc, nous allons très prochainement réaliser donc, les toits, les toits terrasses, la charpente et la toiture. Ça devrait nous amener grosso modo au mois de septembre ou début octobre donc, de cette année. Et puis, donc, le bâtiment sera hors d'eau. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra travailler sur l'intérieur hein, du bâtiment. Donc, il faut compter à peu près une année, ce qui correspond effectivement à la date prévisionnelle de livraison à l'automne 2020. Une question de la session précédente posée par Tiffen. Est-il prévu un agrandissement des salles dans le crématorium de Bourges ? Non, alors pas l'agrandissement des salles, bah parce que, si vous voulez, aujourd'hui, c'est... nous avons plutôt priorisé, hein, donc vous l'avez vu, donc la salle de recueillement, hein, puisque cette salle de recueillement n'existait pas sur Bourges, hein, donc c'est important de la voir. Et donc la capacité aujourd'hui du crématorium, elle est quand même importante. C'est vrai qu'elle pourrait être beaucoup plus grande, mais en tout cas, elle est en rapport avec la très grande majorité des cérémonies qui se déroulent au crématorium. Donc il n'y a pas de projet dans l'immédiat de l'agrandissement de cette salle. La question suivante, oui, la voilà, elle est posée par François. Quid de la fermeture de la poste d'Asnières ? Eh bien, écoutez, pour l'instant, donc, nous avons un moratoire qui nous permet de reporter la fermeture de la poste d'Asnières au 31 mai. En parallèle de ça, donc, une association... vient de se créer. Je crois que l'Assemblée générale de création de l'association de défense de la poste d'Asnières a dû faire 10-15 jours qu'elle a été créée. Et donc nous travaillons d'ailleurs en collaboration avec ce collectif, avec cette association et la ville de Bourges en collaboration pour faire en sorte que le bureau de poste ne ferme pas. Donc voilà, je ne peux pas m'engager plus que ça, mais sachez que je me bats personnellement sur ce sujet pour maintenir ce bureau de poste à Asnières. Une question de Marjolaine. Monsieur le maire, il y a urgence d'un poste de police au Val-d'Oron. Ce serait pour quand ? Bah écoutez, poste de police au Val-d'Oron, d'abord, c'est la compétence de la police nationale. Deux, je vous rappelle qu'il y a un ancien député sur la troisième circonscription qui s'était engagé pendant sa campagne électorale il y a deux mandats de ça à ouvrir donc un commissariat de police sur le Val-d'Oron. Malheureusement, les choses n'ont pas pu être réalisées. Et je crois qu'aujourd'hui, je suis convaincu que la politique de sécurité au niveau national, en tout cas, c'est ce que le ministre Laurent Nunez m'expliquait il y a quelques semaines lors de sa venue, n'est pas de mettre en place des commissariats avec des policiers qui sont dans un bureau. Ce n'est pas très efficace. Il vaut mieux effectivement faire en sorte d'avoir des polices de proximité qui soient, on va dire, dans la rue. Donc ça, c'est un choix qui me paraît d'ailleurs un choix stratégique plus important. Il vaut mieux avoir des policiers dans la rue, sur le terrain, plutôt qu'enfermés dans un bureau derrière un guichet. Donc voilà, je pense que je ne vous donne pas beaucoup d'espoir pour l'ouverture d'un commissariat de police de proximité, mais par contre, il y a une démarche qui est très claire de davantage de présence de police dans l'ensemble des quartiers et sur le terrain surtout. La question suivante est posée par Steven. Si je vous disais que Bourges n'est pas une ville animée, vous me répondez quoi ? Ce
vous voulez que je vous réponde? Si je réponds oui, on m'a dit bah, voilà, le maire, on va me dire tiens, mais le maire il est d'accord avec nous, la ville n'est pas animée. Si je vous réponds non, on va dire bah oui, on n'est pas d'accord avec lui. Moi, tout simplement, je, d'une façon très objective, je pense que dans les villes de la même strate que nous, nous faisons partie des villes animées. Alors, j'entends souvent trop dire qu'il ne se passe rien à Bourges. Mais effectivement, si on ne s'en renseigne pas, si on ne va pas chercher l'information, on peut rester chez soi et ne pas savoir ce qui se passe en ville. C'est une remarque d'ailleurs qui m'avait été formulée en 2013-2014 à l'occasion de la campagne municipale où effectivement les gens m'avaient interpellé en me disant mais vous savez quand on veut sortir le soir, voilà, par exemple on sort d'un bar, on a bu un verre et ben, finalement c'est pas forcément ce qui se passe le soir. Alors je me disais mais si, il y a quand même des moyens de communication, il y a la presse, il y a les nouvelles de Bourges. Sauf qu'effectivement en discutant avec eux j'ai bien compris que quand on va boire un verre le soir entre amis ou en famille, on se balade rarement avec le Berry républicain sous le bras droit et la Nouvelle de Bourges sous le bras gauche. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'est venue cette idée de dire apportons de la communication avec un accès plus facile, donc à travers notamment les idées que vous pouvez trouver sur le sortirabourges.com, hein, dont une partie est reprise, ces idées sur les panneaux numériques qui sont déjà présents et d'autres qui vont être bientôt implantés. Il y a à peu près, je vous le donne, 4000 idées de sortie par an. Je prends le pari avec qui que ce soit pour trouver une ville de la même taille que Bourges et qui propose 4000 idées de sortie par an. Et c'est à ce titre-là que je dis que la ville est animée. Alors, elle pourrait l'être plus, évidemment, il y a toujours une marge de progression. C'est pour ça que nous réfléchissons encore à d'abord inciter les organisateurs, qu'ils soient des organisateurs privés ou publics, à venir partager justement les événements qu'ils organisent et nous les faire savoir pour qu'on communique dessus. Et aussi, au niveau de la ville de Bourges, de déployer d'autres animations, qu'elles soient sportives, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient de tout type de loisirs auxquels on s'intéresse. La question suivante est posée par Christelle Maïri. Suite aux travaux, il y aura-t-il un arasement du premier plateau à Pierrelaye? Écoutez, je vous ai déjà répondu au téléphone, chère madame. J'ai reçu un courrier, une de votre voisine en particulier, auquel je suis en train de répondre. Donc je vous ai déjà répondu. J'ai dit, alors je vais être clair. La problématique, en fait, que vous avez, que je partage d'ailleurs, puisque je suis allé sur place pour m'en rendre compte, c'est que quand les véhicules arrivent sur le premier plateau de Pierrelaye, quand ils viennent par exemple de la Rocade, s'ils arrivent trop vite, effectivement, ça fait du bruit. Et ça, j'ai partagé quand je suis venu le constater chez vous. Donc, cette problématique étant définie comme ça, nous allons d'abord, mesurer les bruits avant de faire d'autres aménagements. Deux, réaliser en amont de Pierrelaye, donc quelques mètres avant le plateau, une chicane, comme on trouve fréquemment dans les communes de France, là, le même type que, par exemple, à l'entrée de Béribouille, je prends cet exemple, c'est la proximité. Et ces chicanes vont ralentir les vitesses, donc en conséquence de quoi, les vitesses sur le premier plateau seront moins élevées. Une fois que les travaux seront terminés, on fera les mêmes mesures de bruit au même endroit, à la même période, et on vérifiera si les bruits sont les mêmes ou ils sont plus faibles. Si les bruits sont plus faibles, eh bien, on restera en l'état. Si les bruits sont les mêmes, voire plus élevés, on arrasera le plateau. Voilà, tout simplement, mais je vous ai déjà dit au téléphone, c'est ce que je suis en train de vous réécrire. La question suivante, hein, elle nous vient d'Éric. Concernant les bâtiments situés derrière Avaricom, pour quand est prévue leur démolition pour apporter plus de charme au quartier avec un autre bâtiment? Écoutez, pour en avoir discuté avec le directeur général de Val-de-Berry, la déconstruction pourrait avoir lieu soit d'ici la fin de cette année, soit le début de l'année suivante. Voilà, donc c'est quelque chose qui est imminent. Une question de Sylvain. Le télé-relevé des compteurs d'eau permet de mieux contrôler sa consommation, mais également d'identifier au plus tôt d'éventuelles fuites. Ceci étant vrai à condition que les informations restituées sur le site Bourges Plus soient mises à jour régulièrement. En effet, dans la mesure où les compteurs sont relevés automatiquement de façon hebdomadaire lors de la collecte des ordures ménagères,
Pourquoi la mise en ligne ne se fait donc pas à la même fréquence ? Alors ça, vous me posez une colle, pour tout vous dire, parce que là, on est sur le trait technique. Moi, j'avais compris qu'effectivement, la mise à jour se faisait une fois par semaine, du fait que, comme vous, à juste titre, vous avez bien expliqué que le camion d'ordures ménagères va relever à chaque passage devant votre domicile le niveau d'enregistrement du compteur. Donc est-ce qu'il y a là un problème technique? Est-ce que vous faites partie de ceux qui viennent d'être équipés il n'y a pas très longtemps, donc il faut peut-être un petit peu de temps avant que ça se mette en ligne? Sincèrement, je ne sais pas vous répondre comme ça, mais par contre je vous engage à m'écrire, envoyez-moi un courriel, un email ou un courrier, comme vous voulez, et puis je me renseignerai, puis je vous répondrai. Mais là, je t'avoue, vous me posez une colle. La question suivante est posée par Loulou. Meun est rentré dans l'agglo en début d'année. À quand l'arrivée de Saint-Florent-sur-Cher? Ah, ben ça ne dépend pas que de nous. Alors, en fait, pour être complet, nous avions entamé des démarches il y a à peu près 2 ans de ça, 2 ans ou 2 ans et demi, je situe, pour proposer à l'ensemble de la communauté de communes de Ferchères Pays Florentais d'intégrer l'agglomération. Donc, nous avions fait une étude à charge de l'agglomération pour connaître quels étaient les impacts, notamment l'impact financier de part et d'autre, que ce soit pour Bourges Plus ou pour la communauté de communes. Et puis nous avons présenté ces résultats de cette étude, c'est un cabinet extérieur d'ailleurs qui l'a fait, nous avons présenté donc cette étude à l'ensemble des conseillers communautaires de la communauté de communes de Ferchères Pays Florentais, et ensuite à l'ensemble des élus des communes adhérents à la communauté de communes Ferchères Pays Florentais. Il semblait à ce moment-là que les choses avaient l'air d'intéresser, puisqu'en fait l'impact, essentiellement financier, n'était pas négatif ni d'un côté ni de l'autre. D'ailleurs, la commune de Saint-Florent était très favorable à venir sur l'agglomération, puisqu'il y avait déjà à plusieurs reprises une délibération qui a été prise au niveau du conseil municipal. Et puis voilà, donc les choses, pour une raison que je ne connais pas, d'ailleurs, n'a pas pu se faire dans la globalité, même si je suppose quelles en sont les raisons, mais j'ai aucun élément formel. Du coup, donc, il y a une demande qui a été faite par Saint-Florent de quitter la communauté de communes à laquelle elle appartient, pour laquelle il y a eu un refus, et l'acceptation pour Bourges Plus, la prescription de principe pour recevoir Saint-Florent-sur-Cher. Pour ça, il faut passer par un mode dérogatoire qui est proposé, qui est demandé à la préfecture, à Madame la préfète en l'occurrence, par la commune de Saint-Florent-sur-Cher. Et globalement, nous étions favorables à recevoir effectivement Saint-Florent-sur-Cher. Par contre, j'avais donné une condition, c'est que ça ne se fasse pas avant les prochaines élections municipales, et que ça se fasse à partir du 1er janvier 2021, par exemple. Bon. Pas venir perturber, et comme il peut y avoir des changements, je dirais, dans les collectivités d'ici là, que les décisions soient prises par les nouvelles équipes qui seront en place. Bon, sauf que cette procédure dérogatoire ne peut pas intégrer un délai au-delà du 1er janvier 2020, donc c'est pour ça que dans la délibération qu'on voulait prendre en conseil communautaire, elle aurait été refusée par Mme la préfète. Donc voilà, donc le camp, je ne sais pas. En tout cas, une fois encore, l'agglomération aujourd'hui est très, très, totalement favorable. Mais en tout cas, ça ne va pas se faire avant les prochaines élections municipales qui ont lieu au mois de mars 2020. La question suivante de Dean. Avez-vous des touches pour la vente de l'immeuble Cujas ? Alors, la Maison des Forestines, il faut bien appeler ce bâtiment par son nom, c'est la Maison des Forestines. Alors, des touches, moi, j'en ai pas, parce que je suis pas propriétaire, donc c'est le centre hospitalier, je répète, qui est propriétaire donc du bâtiment. Je sais qu'il y a un certain nombre de dossiers qui ont été retirés, je crois, enfin, je suis peut-être pas forcément un jour, mais il y en a à peu près une quinzaine, il y a peut-être plus à l'heure où je vous parle, mais en tout cas, les dernières informations, c'était une quinzaine. Et puis, oui, il y a des candidats qui sont intéressés, donc... Voilà, la procédure va se dérouler. L'objectif de mémoire, c'est qu'on puisse signer un compromis, enfin que l'hôpital, le centre hospitalier, puisse signer un compromis de vente avec un prochain acquéreur pendant l'été. Question de François. À quand la réouverture de la patinoire ?
probablement à la rentrée scolaire 2020-2021. Alors nous allons sélectionner les entreprises qui vont réaliser les travaux, des travaux qui sont lourds, hein, puisque c'est, je crois qu'on est de l'ordre de 1,8 million hein, de mémoire, donc c'est des travaux plus lourds qu'on l'imaginait. Et nous avons décidé de prendre en charge la réparation en attendant d'être remboursé par les assurances. Donc voilà, il y a bien, je compte une année de travaux quoi, à peu près. La question suivante est posée par Juju. Quand débutent les travaux du skatepark et quand vont-ils se terminer ? Alors, les travaux du skatepark, normalement, on doit implanter les installations de chantier, là. Si ce n'est pas fait aujourd'hui, ça ne sera pas demain, mais au plus tard, en début de semaine prochaine. Donc, les travaux vont démarrer dans la foulée et la livraison est prévue, au dernier planning qui m'a été donné la semaine dernière, au mois d'octobre, au plus tard. La question suivante est posée par Annie. Avez-vous prévu de refaire l'avenue Marx-Dormois ? La réponse est non, en tout cas pas sur 2019. Très clairement, non. Alors peut-être sur 2020 ou 2021, mais en tout cas pas pour 2019. Et maintenant une question de Max. Allez-vous ouvrir au public les vestiges des thermes romains à l'ancienne maison de la culture ? Non, pas pour l'instant, puisqu'en fait, ça nécessiterait effectivement que le site soit sécurisé, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, on ne peut pas faire entrer du public dans ce site au risque, effectivement, d'un effondrement d'une partie arrière, en fait, de la maison de la culture, là où il y avait encore des gradins. Donc, voilà, c'est pas aujourd'hui, c'est pas d'actualité. Une question suivante posée par Morgane. Ah non. La question est disparue. Une question de Tristan Mangin. Pouvez-vous nous indiquer le montant exact déboursé par la mairie de Bourges pour la construction de la maison de la culture ? Comment justifiez-vous qu'une ville de 66 000 habitants justifie la construction d'un bâtiment d'une telle envergure ? Je crois qu'il n'y a plus débat là-dessus. Je n'arrive pas à comprendre qu'il y a encore débat. C'est une décision qui a été prise collectivement à l'époque, bon, d'autres se sont retirés de cette décision plus récemment, mais qui a été décidée collectivement par l'ensemble des élus de la ville de Bourges, d'ailleurs en conseil municipal, d'une part. D'autre part, c'est un sujet qui est porté, qui a été porté, et qui l'est toujours d'ailleurs, par différentes collectivités, qui ont pu changer d'ailleurs d'étiquette politique entre-temps, hein, je rappelle, depuis le début. Donc là, il y a consensus, politique, que ce soit sur au niveau de l'État, que ce soit au niveau de la région, que ce soit au niveau du département, de l'agglomération et de la ville de Bourges. Donc il n'y a plus débat là-dessus. Vous savez, c'est important, cette maison de culture, elle est importante notamment par l'image qu'elle donne, d'abord en termes d'attractivité du territoire. C'est quand même, elle fait partie des rares lieux, où elle fera partie des rares lieux enfin, où on produit, où on diffuse des spectacles vivants qui sont évidemment présentés donc, à Bourges, mais ailleurs. Il faut savoir quasiment, pas tous les ans, mais au moins une année sur deux, il y a des spectacles qui sont conçus ici, qui vont au Festival d'Avignon. Donc c'est quelque chose d'important culturellement et pour l'attractivité du territoire. Alors maintenant, pour répondre à votre question, j'ai en partie répondu tout à l'heure, c'est qu'en fait, sur les 33,5 millions que va coûter en fait le bâtiment, il va y en avoir moins d'un tiers qui va être à la charge de la ville, tout simplement. Donc, vous voyez, c'est un tiers de 33,5 millions, ça fait un peu moins de 10 millions d'euros. Voilà, donc, et c'est pas... évidemment, ça peut paraître important comme chiffre, mais quand on voit l'ampleur de ce bâtiment, je pense qu'on ne le regrettera pas. Vous savez, il y a eu les mêmes discussions quand on a parlé du palais des sports et de son agrandissement. Il y a eu les mêmes débats, et aujourd'hui, le débat n'existe plus, bon, tout simplement.
Il y a eu les mêmes discussions quand on a fait l'école de musique et l'auditorium. Bon, c'est vrai que c'est des montants importants, mais c'est des choix, ce sont des choix politiques, des choix d'investissement structurant pour la ville et qui participent à sa notoriété et donc à l'attractivité du territoire. Donc ce sont des choix raisonnables. Et une fois encore, comme je vous disais tout à l'heure, la ville aujourd'hui est en capacité de supporter financièrement l'investissement de cette maison des cultures sur une répartition sur plusieurs années. Donc je ne vois pas pourquoi on voudrait le faire, on ne voudrait pas la faire. Et en tout cas, voilà, la question ne se pose plus. Le bâtiment, il est là. Et je pense que dans quelques années, on oubliera toutes ces discussions qui auront finalement servi à rien, si ce n'est de retarder le projet pendant 2 ans, dont la conséquence immédiate a été que le coût a augmenté. Mais c'est ce que je disais dès 2015, quand les anti-maisons de la culture ont fait ralentir le projet. Et donc, ce que j'ai prévu est arrivé, tout simplement. Donc maintenant, pour moi, il n'y a plus de débat. Une question de Jean. Après la Maison de la Culture, l'îlot Victor Hugo et la rue Louis Mallet, quel est le prochain gros chantier pour Bourges ? Alors, il va être plutôt global. Hein. Moi, je vais dire il y a deux gros chantiers hein, que j'ai indiqués, mais ils sont globaux. Le premier chantier, c'est le cœur de ville, c'est le plan national cœur de ville. Hein, vous savez que nous sommes inscrits dans ce plan national. Donc c'est quelque chose sur lequel nous investissons beaucoup, pour lequel on va à la fois mener des opérations liées directement à la ville, où la ville supportera l'investissement, au même titre que l'agglomération. Alors je pense notamment aux réfections d'espace public, vous avez parlé de l'îlot Victor Hugo, mais on peut imaginer, en tout cas c'est dans ce qu'on a notre package, si je peux dire comme ça, la rue Court-Salon, la place Gordaine, la rue Jean Girard, la rue Mirbeau, la rue Pellevoisin, la place Planchat, la rue du Commerce, la place Cujas, la rue Moyenne, et la rue d'Oron. Voilà, par exemple, sur les espaces fonciers, là, on est entre 15 et 20 millions d'euros, à peu près, hein, sur ces enveloppes-là. Ensuite, il y a des aides qui vont être apportées, notamment pour les propriétaires, avec des objectifs de résidentialiser le cœur de ville. Alors, en termes d'aide financière ou de conseils techniques, d'ailleurs, sur les économies d'énergie, sur l'isolation des bâtiments. En termes de réfection de façade aussi, pour redonner du look aussi à notre ville, dans certains coins où des façades sont, des maisons sont un peu, ont besoin d'être mises en valeur. C'est des aides à l'installation des commerces, commerces de centre-ville. C'est l'attractivité aussi à travers des cheminements aussi et des liaisons entre l'hypercentre, le pôle culturel hein, qui se trouve, quand on voit à proximité, on va dire, de l'ancienne maison de la culture, la nouvelle maison de la culture, le château d'eau, château d'art, le conservatoire de musique et de danse et l'auditorium, le 22, toutes les rives d'Oron, tout ce secteur culturel qui est un peu détaché du centre-ville, donc il faut réfléchir à des liaisons. C'est la liaison aussi avec les marais hein, qui sont un peu déconnectés du centre-ville, mais il faut qu'on crée des liaisons dans tous ces pôles d'attractivité. Donc c'est tout ça, donc l'opération cœur de ville, ce sont des opérations importantes dans lesquelles à la fois la ville et l'agglomération vont beaucoup investir déjà dès cette année et les années à venir. Deuxième grand projet, c'est le nouveau plan de renouvellement urbain hein, qui va concerner essentiellement, pas que, mais essentiellement une partie des Gibjons, c'est-à-dire la partie du quartier qui n'a pas été traitée dans le cadre du premier plan de renouvellement urbain. Donc, pour le situer, c'est la partie on va dire, autour de la rue Mallarmé, hein, tout ce secteur-là, quand vous prenez l'avenue de Lattre sur la droite, quand vous allez sur la voie de chemin de fer, et puis la problématique du centre commercial Cap Nord. Donc voilà les deux gros chantiers. Alors évidemment, il y aura encore d'autres investissements sur des réfections de voirie, bien évidemment, la reprise aussi, j'espère, bientôt de la rocade verte, enfin voilà, d'autres investissements. Puis côté agglomération, on a parlé tout à l'heure du centre aquatique et de bien-être, donc voilà les grands projets, mais c'est vrai qu'on va donner un effort très très important sur le cœur de ville, parce que nos commerces souffrent, et il faut qu'on redonne de l'attractivité et l'envie aux berruyers de profiter de leur ville, et aux visiteurs qui viennent de l'extérieur
de découvrir notre belle ville. Voilà, grosso modo, les sujets. On va poursuivre aussi les opérations de rénovation donc des programmes de Nuit Lumière aussi, hein, que nous avons commencé l'an dernier, où on va faire un point très fort encore en 2019, avec d'autres projets alors qui ne sont peut-être pas menés sur 2020, mais plutôt sur 2021, 2022, avec un projet un peu innovant qui sera, pour le coup, novateur, puisque ça n'existe ni en France ni en Europe. Mais là, je vous en dirai plus un peu plus tard. Une question d'Adrien. Est-il envisagé de faire de la rue Moyenne une vraie rue 100% piétonne ? Étant donné les possibilités de contourner cette rue et l'impossibilité de s'arrêter pour un véhicule dans cette rue, quel est l'intérêt de la laisser ouverte à la circulation ? Alors, l'intérêt, selon certains commerçants, pas que je partage leur avis, mais en tout cas pour ceux qui se trouvent rue Moyenne, c'est de dire si il faut être en capacité de partir en voiture, parce que sinon les gens ne s'arrêtent pas dans mon commerce. Bon, soit je ne discute pas là-dessus, je ne suis pas convaincu, mais en tout cas, c'est le premier argument. Le deuxième argument qui fait qu'aujourd'hui on ne peut pas prendre la décision de rendre la rue Moyenne piétonne, c'est une condition sine qua non qui doit être prise juste avant. Je l'évoquais un tout petit peu tout à l'heure, ça vous a peut-être échappé. Il faut savoir qu'en temps normal, il y a à peu près entre 6 000 et 8 000 véhicules jour qui empruntent la rue Moyenne. Alors pas pendant les périodes de travaux qu'on a connues jusqu'à présent, mais en tout cas, voilà, il faut avoir ce chiffre-là, que ce soit d'ailleurs entre un jour, deux semaines ou un samedi, c'est à peu près la même chose. Dans ces 6 000 et 8 000 véhicules jour, il y en a à peu près 80%. Si on fait 80%, vous voyez, ça fait à peu près 5 000 véhicules jour qui viennent de la rue Branly. Donc, très probablement la très 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 grande majorité qui viennent du parking Cujas. Donc de voitures qui sont stationnées sur le parking Cujas. Ça veut dire que tant que le parking Cujas existera en tant que parking, il me semble impossible de rendre la rue Moyenne piétonne. Pourquoi ? Parce que par où évacuer ces 5000 véhicules jour ? Ce n'est pas de 37 solutions. Soit vous les faites passer par la rue Branly et direction la rue des Frères Lallemand, c'est-à-dire qu'il va falloir que les 5000 véhicules jour traversent la rue Coursalon. Vous imaginez ce que ça peut représenter. Soit on les évacue par la rue Porte Jaune, dans la mesure où on change de statut, et de toute manière ce sera à peu près le même problème, c'est-à-dire vous imaginez 5000 véhicules jour qui vont retraverser la rue Coursalon encore un peu plus haut. Soit vous échappez par la rue Jacques-Cœur, hein, qui est une rue, on va dire, qui était plutôt résidentialisée, dans la mesure où c'est une zone de rencontre, zone 20 devant le palais Jacques-Cœur, et qui n'est pas conçue pour ça. Et imaginez aussi, pareil, 5000 véhicules jour qui empruntent la rue Jacques-Cœur, qui vont utiliser la rue la place des Quatre Piliers, la rue des Armuriers, pour se trouver en haut de la rue de Ron pour remonter. C'est juste impensable. Bon. Et la problématique de la rue du Commerce, ça sera à peu près identique. Donc vous voyez bien que le choix de dire on fait de la rue de la place Cujas, on supprime le parking, dépendra effectivement, enfin le fait de la piétonnisation plutôt, la décision de piétonnisation dépendra de la décision qu'on aura prise par rapport à la place Cujas. Et tant qu'on y laissera un parking, ça paraît compliqué de transformer cette rue Moyenne piétonne. Donc voilà, c'est un vrai sujet avec lequel j'ai débattu avec les représentants de l'Office du commerce et de l'artisanat de Bourges il y a quelques semaines. C'est des vraies questions qu'il faut qu'on se pose. Et vous voyez, tout ça, ces décisions, elles sont structurantes. On ne les prend pas comme ça en claquant des doigts, en disant il y a qu'un faucon. Il faut bien mesurer à chaque fois les conséquences. La prochaine question, elle est posée par Mathilde. Dans un souci d'écologie et de réduction des déchets, habitante du centre-ville, je souhaiterais bénéficier d'une poubelle déchets verts. Donc de compost. Est-ce que cela peut être un projet ? Alors aujourd'hui, ce n'est pas, je dirais, un choix politique qui a été pris, hein, comme dans d'autres villes, d'autres agglomérations. Je rappelle que la compétence déchets est à l'agglomération et pas la ville. Donc nous contentons aujourd'hui, on va dire, que de deux bacs, hein, bac vert, bac jaune. Et rien qu'à ce niveau-là, le tri est pas forcément bien fait. Enfin, je dirais qu'en tout cas, il y a une marge de progression. Donc on peut imaginer, s'il fallait rajouter encore une troisième poubelle, ça rendrait les choses compliquées. Maintenant, il n'est pas moins vrai que vous avez la possibilité de faire du compost sans qu'on oblige effectivement à, ou que l'initiative vienne de la collectivité. En tout cas,
Nous avons fait des opérations de sensibilisation au compost il y a deux ans à peu près, un an et demi, deux ans. Un certain nombre de réunions qui ont été organisées, plusieurs sur Bourges et d'autres dans d'autres communes de l'agglomération, où il y avait beaucoup de participants d'ailleurs, où on a expliqué l'intérêt du compost et ce qu'on pouvait faire, et comment composter, comment on faisait du compost, et c'est quand même finalement relativement simple. Donc, alors après, effectivement, en centre-ville, c'est un peu plus compliqué, parce que si vous avez un petit peu une cour, un peu de terrain, c'est encore possible. C'est vrai que si vous habitez sur un balcon ou si vous n'avez que des fenêtres, c'est plus compliqué, mais on pouvait le faire aussi à des échelles beaucoup plus petites. Hein. Il y en a qui le font sur leur balcon. Donc voilà, on n'est pas sur une démarche de dire on va créer un nouveau conteneur pour les déchets verts, mais en tout cas inciter autant que faire se peut les administrés de garder leurs déchets verts chez eux et puis en profiter pour faire du compost. C'est important puisque ça va permettre ceci de réduire nos volumes de tonnage de déchets à traiter, qui, je rappelle, sont importants et ont augmenté considérablement en 2018. Alors, sans avoir d'explications très rationnelles, il y a beaucoup de territoires qui ont vécu ça en France, d'autres qui ont eu des diminutions. En tout cas, nous, on fait partie de ceux qui avons eu un tonnage plus élevé. Et la conséquence de quoi ? C'est que la facture, en fait, a augmenté de 800 000 euros, rien que sur l'année 2018. Donc, c'est important. Il faut davantage trier. Il faut faire du compost. Et le déchet qui coûte pas cher, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc, il y a aussi des choix de vie. Éviter, faire se peut, d'acheter des produits sous emballage. Alors, c'est pas vrai surtout, mais en tout cas, ça peut être le cas parfois sur des commerces qui vendent en vrac. Donc, c'est aussi une nouvelle méthode de vie. Voilà. Une question de Hakim. Quand pourrons-nous monter avec nos vélos dans les bus de l'ensemble de l'agglomération ? Écoutez, pas pour l'instant. Alors, je ne sais pas s'il y a réellement une interdiction aujourd'hui, pour tout vous dire. Là, je ne sais pas vous répondre. Je ne suis pas sûr qu'il y ait véritablement une interdiction. Enfin, à ma connaissance, hein, je ne m'engage pas trop. Mais en tout cas, je pense que si c'était possible, il va falloir effectivement qu'on... Enfin, si ce n'est pas le cas aujourd'hui, il va falloir qu'on y réfléchisse de façon sérieuse, parce que on travaille beaucoup sur l'intermodalité. Et pour ça, effectivement, il faut se donner la possibilité de pouvoir éventuellement, pour votre cas, monter dans un bus avec un vélo, faire le trajet en bus et puis récupérer son vélo à l'arrêt correspondant pour pouvoir finir sa course à vélo. Donc ça se fait plus facilement avec le train maintenant, aujourd'hui. Donc en tout cas, je vais vérifier ça quand même, ce point-là, parce que j'avoue que je n'ai pas la réponse. Mais si, en tout cas, aujourd'hui, ça n'est réellement pas possible, il faut effectivement développer cette piste, bien évidemment. Ça me paraît tout à fait cohérent dans la politique que nous menons et que nous allons mener, notamment sur les nouvelles mobilités. Allez, je vous dévoile un scoop, très probablement à la rentrée prochaine. On va mettre à disposition un certain nombre de vélos, au-delà des vélos traditionnels, mais qui seront des vélos assistantes électriques. Voilà. Mais je vous en dirai un peu plus quand les choses seront un peu plus avancées. Question de Max. Comment fait-on pour implanter son association à Bourges ? L'implanter, je ne comprends pas le terme implanter. Si c'est pour créer une association, ce n'est pas très compliqué. Vous allez donc à, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, à l'EDSPP, enfin en tout cas vous allez retirer des modèles de statut. Donc c'est à Condé, hein, c'est juste à côté. Enfin, quand je dis là, c'est plutôt là-bas derrière. C'est à Condé, et puis vous retirez vos statuts, et puis vous remplissez. C'est d'une simplicité impressionnante. Bon, dès lors que c'est une association, on va dire, un peu classique. Maintenant, si c'est une question de conseils dont vous avez besoin pour créer votre association, ou même pour implanter, si c'est l'implantation physiquement, si vous avez besoin de bureau, je vous engage à vous rendre à la maison des associations, hein, qui se trouve rue Gambon, à l'intersection de rue Gambon et la rue des Poulies. Je ne me trompe pas, c'est la rue des Poulies, celle qui descend. Voilà. Donc on va vous voyez anciennement l'Hôtel Dieu, enfin, tout simplement. Donc vous avez des permanences, on peut vous renseigner sur à la fois sur comment créer une association, on doit sans doute avoir des modèles de statut, et puis si c'est de l'implantation physique, hein, si vous avez besoin de salles ou de bureaux, on vous renseignera sur place, parce qu'il y a des salles et des bureaux qui sont à disposition, qui peuvent être loués
sur une période, sur l'année, sur, ou ponctuellement. Voilà. Une question de Morgane, qui vous en pose deux, en fait. Pour quand est prévu le Burger King ? Et la seconde question concerne les magasins de la route de la Charité. Les boutiques comme Conforama ne sont plus très attractives. Dans les villes comme Nevers, Tours ou Orléans, les magasins sont plus modernes et plus récents. Cette route perd de son charme car Bourges est une jolie ville. Alors, le charme de la route de la Charité, bon, chacun ses goûts. Moi, j'avoue qu'elle ne me fait pas forcément rêver. Je préfère à tout dire la rue Jacques-Cœur que la rue de la Charité. Bon, enfin bref, après c'est chacun son goût. Première question, Burger King, je crois qu'on est plutôt sur une sortie du mois de novembre, de mémoire, ça doit être cet automne, tout sur entre le mois de novembre et le mois de décembre. Après, vous savez, sur les surfaces commerciales de périphérie, moi je pense qu'il y en a, très sincèrement, il y en a trop. Bon, il faudrait être des choix à un moment donné, et puis surtout qu'aujourd'hui, les collectivités n'ont pas la capacité d'interdire le développement de ce genre de magasin. Bon, c'est aussi paradoxalement que ça puisse paraître, on n'a pas cette interdiction dès lors qu'effectivement le bâtiment qui est construit répond aux normes environnementales et urbanistiques du moment. Je partage à votre avis avec le fait de dire qu'il y a des magasins, d'abord on commence à avoir des friches, hein, notamment Route de Charité, mais pas que, vous en avez aussi à Saint-Louchat qui sont en train de se créer. Et c'est ça qui est assez paradoxal, c'est-à-dire qu'on crée des friches et on recrée on reconstruit des bâtiments plus loin. Donc je crois qu'il y a un vrai sujet à traiter, mais d'un point de vue législatif, pour éviter donc, de multiplier des friches et continuer à s'étendre sur la périphérie. Donc après, ben, la modernisation des bâtiments, ben, c'est aussi aux responsables de la chaîne ou du magasin de l'affaire. Hein. Nous, collectivités, on n'a pas de moyens de moderniser. Bon, les choses se font parfois naturellement. On va prendre l'exemple de Carrefour Chaussée de Chape. C'est un magasin qui a été réhabilité il y a 3 ans maintenant à peu près. Donc, parce que Carrefour a décidé de rénover son magasin. Donc ce n'est pas la responsabilité d'une collectivité de le faire, mais effectivement aux propriétaires, aux gérants donc des magasins de prendre cette initiative. La question suivante est une question posée par Carmindo. Après la finition des travaux rue de la Gare, êtes-vous partant pour mettre des ralentisseurs rue de la Gare, car cela devient trop dangereux, car les véhicules roulent trop vite? Alors, ce que vous appelez rue de la Gare, je pense que c'est la rue Henri Laudier. Très probablement. Il y a un vrai souci on me l'a signalé encore il y a pas très longtemps, avenue Henri Laudier. Il faut qu'on réfléchisse à ça, il faut que je vois avec mes services ce que l'on peut faire. Enfin, d'ailleurs, j'ai dû leur demander déjà de regarder. Vous savez, les ralentisseurs, c'est pas forcément la panacée, puis on va pas mettre des ralentisseurs partout. Il y a peut-être une autre solution, mais il faut regarder quand même techniquement. Ça serait que au lieu qu'il y ait 2 voies sur la voie de droite, hein, quand on va sur le monument aux morts, qu'il n'y en ait plus qu'une. Alors, c'est peut-être pas aussi simple que ça. C'est le cas d'ailleurs dans l'autre sens. Hein, quand vous remontez à partir de la rue qui part à droite, je n'ai pas vu son nom, la rue Taillegrin, vous n'avez plus qu'une voie qui amène jusqu'au rond-point de la gare. Donc, c'est peut-être ça la solution, plutôt que mettre des ralentisseurs, c'est de réduire, de passer de 2 voies à 1 voie. Ça permettra effectivement peut-être de ralentir les vitesses. Mais je suis d'accord avec vous, c'est très dangereux. Alors les vitesses pratiquées sont élevées, d'ailleurs on l'a contrôlé, on a des comptages là-dessus. Et puis voilà, la traversée piétonne à certains endroits, que ce soit à proximité du rond-point d'ailleurs ou ailleurs, est assez dangereuse. Donc on est en train de regarder comment on pourrait réduire ces vitesses. Mais une fois encore, je crois plus à réduire de passer de 2 voies à 1 plutôt que mettre un ralentisseur. Mais par contre, il faut qu'on fasse des simulations, parce que passer de 2 voies à 1, il ne faut pas que ça crée un bouchon, si j'ose dire, au niveau du giratoire de la place de Verdun. Donc il faut regarder tout ça. Alors, une question de Brigitte. Je fréquente les beaux jardins de notre ville et je déplore au jardin des Préfichaux l'insalubrité des toilettes. Un gardien serait le bienvenu. Oui, bon, je ne sais pas si c'est la panacée, si c'est un gardien. Je pense qu'il faudrait plutôt qu'on fasse dans les jardins des Préfichaux la même chose qu'on vient de faire dans le jardin de l'archevêché. Alors, je ne sais pas, vous ne l'avez peut-être pas vu. Hein,
ça a été installé il y a quelques semaines maintenant. C'est, alors j'aime pas trop faire de publicité, mais enfin pour qu'on se comprenne, des toilettes de co. Hein, donc il y en a déjà implanté à certains endroits à Bourges, hein, Place des Marronniers, on a Auguste Eiffel, on en a sur la place Serrecourt, entre autres. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces toilettes sont gratuites. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, on avait pris une première option de l'usage payant, et puis le choix a été fait finalement de plutôt laisser la gratuité, parce qu'en fait, les recettes n'avaient pas forcément beaucoup d'importance. Et puis, excusez-moi, la forme, c'est un peu trivial, mais que certains messieurs qui, parce qu'ils n'étaient pas payés, se délestaient de ce qu'ils avaient à se lester en dehors des toilettes. Donc, valait mieux rendre la gratuité pour plus d'hygiène. Et donc, en fait, on a fait cette implantation au jardin de l'Archevêché, et je pense qu'il faudrait effectivement qu'on réfléchisse à une autre implantation des toilettes dites de co dans les jardins et préfichaux. Ça me paraît bien meilleur. Un point à noter, vous m'avez fait une bonne remarque. Il faut qu'on l'étudie. Une question de Marie-Rose. Oui. Après une campagne d'affichage annonçant le retour des nuits lumière, pouvez-vous nous en dire plus ? Ah bien non. Sinon, ça ne sera pas une surprise. Alors nous allons dévoiler, régulièrement les nouveaux espaces qui vont être. Les nouveaux espaces, non pas forcément les nouveaux espaces, mais en tout cas le cheminement tel qu'il va l'être, avec les scénographies relookées ou scénographies refaites d'ailleurs complètement, même si c'est pour certains sur des mêmes lieux, mais pas forcément pour tous. Et puis en utilisant effectivement la technologie numérique, qui est une technologie beaucoup plus facile d'ailleurs d'utilisation, avec moins d'usure, et puis avec une précision, une qualité d'image bien meilleure. Donc voilà. La seule chose qu'on a dévoilée jusqu'à présent, c'est l'hôtel L'Allemand. Donc, c'est-à-dire que l'hôtel L'Allemand, alors je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait une projection de scénographie qui avait lieu dans la cour, en fait, sur le mur qui est perpendiculaire à la rue des Frères L'Allemand. Donc là, on a changé notre lieu de projection, puisqu'on va projeter directement sur la façade du musée L'Allemand. Voilà. Donc, pour la suite, écoutez, un peu de patience. Je peux vous dire qu'il y aura des projections toujours sur le palais Jacques-Cœur, et il y aura toujours des projections sur dans les jardins des Préfichaux, et puis il y aura des projections, et puis il y aura des projections, non, je vous dirai ça la prochaine fois. Question suivante posée par Nat. Expliquez au Berruyer ce qu'il se passe vraiment entre vous et votre adjoint que vous venez d'écarter, Philippe Mousny. Bon, d'abord, je crois que je me suis suffisamment exprimé dans la presse sur ce sujet. Je ne me suis pas séparé de Philippe Mousty parce qu'il reste maire adjoint avec des délégations qui sont certes réduites par rapport à ce qu'il avait avant. Et j'ai souhaité clarifier la situation pour deux. Bon, tout simplement, quand on ne vote pas un budget, c'est qu'on n'est pas d'accord avec l'équipe municipale. Alors, l'opération de l'abstention sur le budget s'est faite deux fois, une fois en 2018, une fois en 2019. En 2018, bon, je considérais que c'était un état d'âme, un état d'humeur, donc bon, je n'ai pas prêté plus d'attention. En plus, je vous rappelle que jusqu'à encore fin d'année dernière, je l'ai redit, et la presse a repris, j'avais toute confiance en Philippe Mousny, comme dans d'autres adjoints. Là, le coup du mois de mars de ne pas voter encore le budget pour des raisons qui sont complètement farfelues, à mon sens en tout cas, et en tout cas pas cohérente, m'a conduit, et ça j'ai eu l'occasion d'en discuter avec l'ensemble de mes maires adjoints, a conduit à ne pas laisser en délégation à Philippe Mousny une délégation qui engage 80% des investissements, des sommes engagées par la collectivité, alors qu'en même temps, il ne vote pas le budget. Donc c'est une question de cohérence, tout simplement. Bon, voilà, donc faut pas voir là-dedans de sanctions, bien évidemment. C'est simplement une logique. Et il aurait été cohérent, enfin en tout cas c'est comme ça que ça se passe, quand on ne vote pas un budget, c'est qu'on n'est pas d'accord. D'abord on ne s'abstient pas, quand on,
quand on veut être en responsabilité, ça m'a l'air d'être le cas pour Philippe Mousny, de vouloir être maire de Bourges, on prend des décisions, on ne s'abstient pas, donc on est ou pour ou contre, c'est-à-dire que quand on décide de refaire des bâtiments municipaux comme des écoles, on les fait ou on ne les fait pas, on ne les fait pas à moitié. Quand on prend des décisions d'investissement comme la Maison de la Culture, on n'en fait pas la moitié, on ne s'arrête pas au milieu du chantier, on les fait ou on ne les fait pas, donc on est pour, on est contre. Et quand on veut être maire, ben, on prend des décisions, on est pour, on est contre. Donc on ne s'abstient pas. Moi j'ai du mal avec les abstentions, en tout cas c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Et en tout cas, ben, si, il n'était pas d'accord avec le budget, donc il aurait d'abord un voté contre, et quand on n'est pas d'accord avec une équipe municipale, on démissionne. Ça, c'est, pour reprendre le terme de M. Chevènement, un ministre où il est d'accord, où il ferme sa gueule, et s'il veut fermer sa gueule, il démissionne. Donc ça, c'est vrai à tous les niveaux de la République et c'est vrai au niveau d'une collectivité. Donc il n'y a pas de sanction là-dedans, tout simplement. C'est, j'ai éclairci la situation pour deux, et puis j'ai fait en sorte que les délégations pour lesquelles Philippe Mousty a encore ma confiance, la délégation qui n'engage pas financièrement la collectivité, sachant qu'il n'est pas d'accord sur les finances. Donc voilà, tout simplement. C'est aussi simple que ça. La question suivante est une question posée par Maxime. Pendant que l'on parle de l'avenue Henri Laudier, la fréquentation est de plus en plus dégradée et les forces de l'ordre ne se déplacent plus quand il y a des incidents, vu le manque d'effectifs. Avez-vous une solution ? Bah, vous savez que les forces de l'ordre ne se déplacent plus. Je trouve que c'est un peu exagéré. Hein. Bon, vous ne les voyez pas partout. Et les forces de l'ordre ne peuvent pas être partout en même temps. Il faut qu'ils gèrent des priorités. Et puis comme effectivement la politique, ce n'est pas forcément d'augmenter le nombre de policiers, quoiqu'il y a un vrai changement qui est en train de s'opérer malgré tout avec le gouvernement qui est en place aujourd'hui, faut faire aussi avec ses effectifs. Mais malgré tout, on pourrait doubler les effectifs. Je pense que ça ne serait même pas suffisant. Bon. Donc les forces de police, notamment je parle de la police nationale, gèrent aussi des priorités et ira prioritairement sur des lieux, on va dire, peut-être plus dangereux ou à risque par rapport à des lieux qui le sont a priori moins. Bon. La réponse qu'on nous en apporte aux collectivités, c'est aussi d'augmenter, alors c'est ce qu'on a fait, d'augmenter les effectifs de la police municipale. Hein, donc c'était le premier point. Deuxième point, c'est de mettre en place une brigade de soirée hein, qui est opérationnelle depuis le 1er janvier donc, de cette année, qui opère jusqu'à minuit en période, on va dire, non estivale et jusqu'à 2 heures du matin en période estivale. Donc on vient renforcer les effectifs de la police nationale par la police municipale. On a aussi armé, je le redis, la police municipale, alors qu'elle n'est pas toute pour l'instant, parce que bon, il y a des temps de formation, mais enfin les choses se font progressivement. Donc voilà, c'est ce que nous apportons, et ça fonctionne bien d'ailleurs en collaboration entre les deux polices, nationale et municipale, avec des opérations qui sont menées en parallèle et qui ont déjà porté, en parallèle et en même temps, en cohésion et en synergie, qui ont porté déjà leurs fruits. Donc je trouve que le fait de dire que la police ne se déplace pas, c'est quand même exagéré. Alors évidemment, chacun voudrait au premier coup de téléphone qu'on a une compagnie de CRS à ses pieds dès lors qu'il se passe quelque chose. Donc, c'est juste pas possible. La police nationale, comme la police municipale, gère parfois les priorités en fonction du moment, en fonction des événements qui ont lieu sur la même période de temps. Une question de Jean-Marie. Serait-il possible d'envisager l'installation de ralentisseurs dans la rue de l'Hôtel Lallemand, notamment au croisement avec la rue de la Petite Armée, afin de faire respecter la priorité à droite ainsi que la limitation de vitesse? Ceci afin de rendre sécurisé cet endroit et cette rue empruntée par les piétons également. En effet, cette priorité à droite semble anecdotique pour bon nombre d'automobilistes et la limitation semble ne pas être un souci. Oui, alors vous savez, on est sur le même débat qu'on a eu tout à l'heure, mettre des ralentisseurs. Bon, mettre des ralentisseurs partout, c'est juste impensable. Et puis que, bon, prenez la rue des Frères Lallemand, bon, je veux bien croire ce que vous me dites, hein, il y a probablement des voitures qui vont un peu vite et puis qui s'assoient sur la priorité à droite. Mais c'est quand même pas une rue où on roule vite, quoi. Bon, faut aussi relativiser. C'est-à-dire qu'on, bon, je sais pas si on a fait des comptages, on fera des comptages. Globalement, la configuration de la rue, qui est quand même une rue qui est pas large, qui est pavée, fait en sorte que, en règle générale, on ne doit pas rouler très vite dans cette rue. Alors, il y aura toujours un ou deux,
on va dire fêlés, je ne sais pas comment on peut les appeler, qui rouleront vite et qui ne laisseront pas la priorité à droite, très clairement. Maintenant, il faut qu'on regarde, qu'on fasse des comptages, mais mettre un ralentisseur, enfin, je dirais, ça devient juste insupportable. Enfin, il faudrait mettre des ralentisseurs partout. Alors d'abord, il y a ceux qui veulent qu'on en mette et ceux qui veulent qu'on n'en mette pas. Donc, je vois un peu sur des postes, les réseaux sociaux, quand je fais partager effectivement les aménagements qu'on fait, il y a autant qui sont d'accord que ceux qui ne sont pas d'accord. Donc voilà, on va regarder quand même sur la rue des Frères Lallemand, mais voilà, je serais curieux d'avoir des comptages pour vérifier ce qui se passe réellement. Et puis, c'est vrai que quand il y a une priorité à droite, surtout dans ces quartiers-là, il faut considérer peut-être que vous ne l'avez pas, et puis laisser passer. Prendre la place quand la voie est libre. Parce que, rue de l'Allemand, des Frères Lallemand, il ne doit pas y avoir 5000 véhicules jour qui passent non plus. Quoi. Voilà, enfin, on va quand même regarder ce qui se passe réellement. Et nous sommes arrivés à la dernière question qui nous vient de Michel. N'êtes-vous pas trop déçu de l'échec de nos tangos en demi-finale du championnat de France ? Et pensez-vous qu'elles vont gagner la Coupe de France samedi prochain ? Ah, vous savez, je ne dis pas dans le marc de café pour samedi. En tout cas, je me déplacerai pour les supporter avec plein d'autres supporters, bien évidemment. Oui, on est toujours déçus. Mais vous savez, le problème, c'est qu'on se pose des questions de riches. Hein, c'est-à-dire que quand on a 14 titres de championne de France, en l'occurrence pour les tangos, on en voit un 15e, puis un 16e, puis un 17e. On est gourmand. Ben là, ça n'est pas le cas. Alors, la déception, elle est... Bon, je crois qu'elle est passée. Il faut se concentrer effectivement sur le prochain match et le seul match à venir pour cette saison, c'est celui de samedi à 16h30. Il faut voir aussi une chose, c'est que le championnat de France de basket féminin, c'est renforcé, c'est un peu durci. Hein. Je ne sais pas si vous suivez le basket depuis très longtemps, mais allez, revenez une quinzaine d'années en arrière. Quand vous aviez opposé l'équipe de Bourges et celle de Valenciennes, c'était les matchs importants du championnat. Autrement, le reste derrière, je dirais qu'il y avait un gros péteau. Hein, et il y avait le trou qui était fait derrière. Alors que là, aujourd'hui, il y a plus de concurrence. Hein. Il n'y a pas beaucoup de différence entre le premier et le dernier du classement. Et puis, en tête de classement, vous avez l'équipe de l'ASVEL qui s'est renforcée, qui va encore se renforcer l'année prochaine. La de Montpellier aussi qui s'est bien renforcée. Bourges, qui a une équipe qui reste quand même de haut niveau, Basketland, et puis j'en oublie, Tarbes, Charleville-Mézières, que les Tangos vont rencontrer samedi après-midi. Donc on voit bien que tout ce championnat s'est durci, et c'est plutôt intéressant d'ailleurs, hein, ce qui permet d'ailleurs de préparer les équipes pour l'Euroleague, hein, c'est-à-dire quand on se confronte à du dur en championnat, et eh bien, ça permet effectivement d'être prêt pour des niveaux de Euroleague qui sont encore de niveau supérieur. Donc voilà, non, il n'y a pas de déception. Ben, vous savez, on va gagner tous les titres tous les ans. Ben, c'est juste pas possible. Et puis, ça montre que le basket féminin n'est pas un long fleuve tranquille. Hein, qu'il faut travailler, rien n'est jamais acquis. Il faut rendre les équipes de plus en plus fortes. Alors, après, le problème, parfois, c'est aussi les finances. Hein, ce n'est pas si simple que ça. Mais voilà, donc faut pas t'inquiéter. Voilà, bon, j'espère que nos tangos vont gagner la Coupe de France. D'abord, ça leur permettrait d'assurer une place en Euroleague, ce qui serait plutôt une bonne chose. Et puis, je pense que, voilà, au regard de tout ce qu'elles ont fait cette saison, même s'il y a eu des périodes un peu de creux, ça devrait bien se passer, bien qu'on peut regretter effectivement l'absence de Sarah et d'Elodie qui nous ont manqué sur cette fin de championnat et qui vont encore sans doute manquer samedi. Mais voilà, il y a aussi des bonnes joueuses et puis je pense que le mental va être là. Elles se seront du coup, du fait de la longue qualification en finale de championnat de France, elles auront pu se reposer quelques jours et je pense que c'est pas du luxe. Voilà, mais écoutez, rendez-vous samedi. Alors, rendez-vous samedi, mais rendez-vous aussi pour le prochain chat vidéo du maire. Donc, vous notez bien, c'est une date importante, ça sera le mardi 18 juin, donc le mois prochain. Même lieu en ce qui me concerne, donc pour vous, ce sera peut-être différent. Rendez-vous toujours à la même heure, à 19h. Puis en attendant, écoutez, je vous remercie d'avoir posé autant de questions, toujours aussi pertinentes. Je vous souhaite donc une très bonne soirée, en espérant vous retrouver très bientôt. Au revoir.